Salut tout le monde. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour gratter les deux nouveaux tickets de la loterie suisse romande. En fait, il y en avait trois, mais bon. Vous allez voir. Comme d'habitude, une fois par mois approximativement, la loterie suisse romande remet l'imprimante en route et nous sort de nouveaux tickets. Sur ce coup-là, ils nous en ont sorti trois, j'en ai pris que deux, et on va regarder un petit peu tout ça en détail. Pour les deux que j'ai pris, c'est l'Oasis et l'Océano. J'ai lâché prise avec les noms, hein, sinon... Et pour celui que j'ai pas pris, c'est le Megamo. L'Océano, c'est quoi? C'est un jeu à 5 balles qui peut nous faire gagner jusqu'à 50 000. 12 symboles à gratter qu'on retrouve dans la case du dessous, jusque-là, du grand classique. Ensuite, on a l'Oasis, un jeu à 10 francs, mais qui peut nous rapporter, lui, jusqu'à 200 000. Théoriquement. Un jeu qui ressemble complètement à l'Océano, à la seule différence qu'il est plus grand. Donc, ben, niveau recherche... Surtout quand on regarde les symboles qu'il y a sur ce ticket, on est quand même en droit de se poser quelques questions sur ce qui est passé par la tête du mec qui a créé ça. Par exemple, si on regarde dans certaines cases, on va s'apercevoir qu'on trouve un palmier, un thermomètre qui fait chaud, une gourde qui a besoin d'être remplie, un chapeau, donc pour l'instant... Tout va bien. Je dirais qu'on est à peu près dans le concret. D'un seul coup, on a le lion. Bon, il me semblait que le lion, c'était plutôt savane, africaine, truc comme ça. Est-ce qu'un lion serait perdu au milieu du désert, il cherche à boire? Tout est possible. On a aussi les tongs de plage. Marcher dans le désert avec le morceau de plastique entre les deux orteils, ça doit être chaud quand même. Mais à essayer, encore une fois, j'ai pas testé. Puis là, on va trouver un petit peu le must, hein, donc un phare. Un phare comme on trouve par exemple sur les côtes bretonnes pour indiquer aux marins... Bah ouais, la côte, quoi. Où est-ce que le type devait en venir à ce moment-là? Qu'est-ce qui lui est passé par la tête? On n'en sait rien. Comme d'habitude, on gratte nos 12 symboles qu'on essaye de retrouver en dessous. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est 50 balles. Ce qu'il y a en dessous, personnellement, premier symbole, une noix de coco, je crois. Alors, j'en ai une ici, et c'est tout. Deuxième symbole, un thermomètre. On en trouvera un dans la première ligne. Je gratte plus au milieu, hein, je me fais plus baiser maintenant. Un pélican, qu'on trouve ici. Pas d'autres pélicans. Et puis, on finit la première ligne avec un palmier qu'on découvrira ici. Alors, on a trouvé chacun des symboles grattés, mais seulement une fois. Bon, on enchaîne. Deuxième ligne avec une coquille Saint-Jacques. Deux fois ce coup-ci, et ensuite un fugu, d'accord. Alors j'irai voir plus tard sur Google ce que c'est un fugu. On continue avec des tongs. Alors là, on a deux paires de tongs, c'est cool. Et puis on enchaîne pour finir cette deuxième ligne avec un soleil qu'on trouvera tout en bas. Alors, conclusion, il nous faut une île pour les 200 balles, et c'est tout. Mais c'est plutôt pas mal, personnellement, ça me va tout à fait. Alors, on enchaîne, troisième ligne, un avion, enfin je veux dire un hydravion, qu'on trouvera en bas. Donc pour l'instant, on a gratté tous les symboles, c'est plutôt sympa. On continue avec le poisson, un poisson ici, un poisson ici, et c'est tout. Avant-dernier symbole, un hippocampe, on en a un ici, un ici, un ici. Hein? Alors là, ils ont été sympas avec celui-là. Donc maintenant, plusieurs possibilités s'offrent à nous, comme par exemple le chapeau de marin, pour avoir un gain à 10 balles, ce qui franchement serait déjà sympa. La fameuse île, toujours pour nos 200, et puis aussi l'appareil photo maintenant pour un petit 100 balles, qui serait plutôt le bienvenu. Alors allez, dernier symbole, c'est parti, on y va, on croise les doigts avec... avec un gilet. Alors, est-ce que ce deuxième nouveau ticket va m'apporter un petit quelque chose ou est-ce qu'on va continuer sur ma lancée habituelle? C'est parti, premier symbole, on attaque comme l'autre avec une noix de coco, une ici dans la troisième grille et c'est tout. Et bien, dis donc, avec tout ce nombre de grilles, j'ai une noix de coco. Bon, un appareil photo, pareil, il y en a un petit planqué là dans le coin, une gourde, ah, dans la première, la troisième aussi, et la quatrième. Waouh! Trois fois la gourde. Eh ben dis donc. Alors, quatrième symbole, un sac à dos. Ça me rappelle quelque chose. Ici, dans la troisième et la quatrième aussi. Eh ben bien. Alors, c'est plutôt sympa ça. Hein? On continue avec le chapeau de marin. Toujours pas ce qu'il vient foutre par là. Et on en aura deux en bas dans la même grille. Ah, d'accord. Ok, il y a effectivement deux symboles par grille. Bon, je me réveille un peu avec un fez. Alors, on va trouver la fez. Voilà, on en a un ici. Et puis un deuxième ici. Voilà. Et puis c'est tout. Alors, on continue avec le fameux fugu. Alors, le fugu, on attaque. Tiens, bah le fugu, il attaque cette case-là. Et d'ailleurs, il y en a deux même.
Le fugu, c'est formidable. Et pas d'autres fugu ailleurs. Mince. Alors, on attaque maintenant la deuxième ligne de symboles. Allez, avec une lampe magique. Alors, pour la lampe magique, par contre... Ah, bah si, j'en ai une quand même dans la quatrième. Ah bon, c'est rassurant. Alors, on continue. Deuxième symbole, deuxième ligne, avec des chaussures. Ah, ah, ah. Je crois que là, pour les chaussures, ça y est, on commence les symboles qu'on trouve plus. Et ouais, pas de chaussures. Alors, c'est parti. On continue avec un fennec. Ah, pardon, un fennec. Donc, un fennec, hein, petit animal tout charmant, qui apparemment vient s'abreuver dans les oasis. D'après la loterie suisse romande, bien sûr. Alors, on en a deux ici. Voilà. Et voilà. Donc là, on a une petite ouverture quand même, avec un scarabée pour 15 balles dans la première case. Et puis, c'est tout. Mais bon, c'est déjà pas mal. Le petit scarabée, là, allez. Non, un cactus. Alors, le cactus, ben justement, dans la première case. Et c'est tout. Ah non, pardon, j'en ai un ici, dans la troisième case. Ah, ça y est. Je commence à être réactif. Alors, on enchaîne avec les tongs. Ils ne font rien. Donc, une paire de tongs ici. Et puis, c'est tout pour les tongs. Dernier symbole de la deuxième ligne, avec ce fameux lion du désert. On va trouver dans la troisième case et aussi dans la quatrième. Bon, on enchaîne la troisième ligne avec une carte. On en a une petite ici, une autre ici et ça s'arrêtera là. Allez, on continue avec la voiture ou la Jeep. Voilà, une petite là et une ici. Bon, tout ça, ça nous fait pas beaucoup d'ouverture quand même. Hein. Ça gratte, mais quand tu regardes, ça nous débouche sur rien. On reste toujours avec notre scarabée à 15 balles et si je regarde bien, c'est tout. Ah non, pardon, il nous faudrait le pélican maintenant pour les 40 balles dans la deuxième case. Mais bon, quoique 40 balles, ça serait quand même plutôt cool. Allez, on continue avec le sabre. Alors le sabre, il se trouve où? On est justement à côté de notre pélican, tant attendu. Et puis d'ailleurs, le sabre, ils en ont pas mis d'autre. Ça pue. Alors, on a l'hippocampe. L'hippocampe qu'on va trouver deux fois ici et qui nous ouvre sur un petit gain à 5 balles avec la goutte de sueur qu'on a ici. Bon, est-ce qu'on a d'autres hippocampes? Non, on n'en a pas d'autres. Avant-dernier symbole. Avec la coquille Saint-Jacques, enfin, ou le coquille qui nous ouvre un gain maintenant ici à 30 balles si on trouve le citron ou le pamplemousse et on n'aura pas d'autres coquillages. Ouais, bah tu vois, quand il commence à devenir radin comme ça, c'est que c'est mauvais signe. Alors, citron, pélican, scarabée, c'est parti. Avec quoi? Une mosquée à côté d'un oasis, évidemment. Donc, la mosquée, j'en aurai une ici, mais ne m'aide absolument à rien, quoi qu'il arrive. Et c'est tout pour la mosquée. Et le dernier symbole, bah, ouais, j'ai un petit peu peur que... Enfin, on y va. Avec, bah voilà. Continue avec, tiens, bah le gilet. Il me semble qu'on avait déjà fini avec un gilet tout à l'heure. Oh merde. Alors attends, le gilet, je l'ai ici. Oh putain, attends, j'étais déjà en train de gueuler, mais ça fait 50 balles. Alors, bouge pas. Là, alors, 50 balles. Non, 50 balles. Non, je délire ou quoi? Attends, l'hippocampe, les tongs, la voiture, le gilet. Alors, j'ai 50 balles. Non, j'y crois pas. Alors, je gratte quand même celui-là, hein, parce que je sais que là, j'étais en train de mailler, quoi. 50 balles. Et. Alors, j'ai pas d'autres gilets ailleurs. Est-ce que j'ai oublié quelque chose, du coup? Mais bon, j'ai 50 balles, quoi. Alors, 50 balles sur ce ticket. Ah bah alors c'est plutôt cool, voilà, bah du coup ça me redonne plein de sourires cette histoire, tu vois, je suis tout de suite moins... Et puis tout de suite plus content quoi. Alors ça c'est génial, excellent. Alors 50 balles, bah c'est plutôt cool, hein. Ça reste le plus gros gain que j'ai gagné sur la chaîne. Alors c'est clair que si on compare par rapport à ce que j'ai investi, je suis déjà à deux tubes de vaseline pour supporter la douleur. Mais franchement je suis vraiment content d'avoir gagné quelque chose parce que c'est tellement peu souvent, et puis là, ben, pour une fois, c'est quand même un gain qui est plutôt sympa. Sur ce, ben, profitez bien du soleil, en abusez pas trop quand même, soyez prudents, et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!